Voici le temple de la langue française, c'est l'Académie française. Notez qu'aucun académicien n'est un spécialiste de la langue française, mais chacun en révère l'usage et la protège. N'ayant moi-même aucune prétention littéraire, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez convié à partager votre combat. Le conférencier est un peu l'apôtre de l'académicien. Il a besoin de la langue française et il est expert de son sujet. Mais surtout, il veut retenir l'attention de son public pendant plus d'une heure. Et ça, il le fait avec de l'émotion et avec du mouvement. Faites du bruit ! Vous voulez devenir conférencier ? Vous pouvez devenir conférencier. L'école des conférenciers est ouverte. Avec le niveau 1, vous apprendrez à penser, vous apprendrez à vous exprimer sur n'importe quel sujet. Niveau 2, vous construirez votre conférence et vous la présenterez devant un jury. Il y en a un qui me regarde comme s'il avait vu le diable. Un autre qui se met à taper sur la table, un autre qui se met à pleurer. Et le troisième niveau, ce sera le niveau d'une créativité excellente. Si vous pensez que le monde est dur, que le monde est impitoyable, il le sera pour vous. Si vous ne le protégez pas, alors il sera violé au premier coin du bois comme un petit chaperon rouge. Inscrivez-vous, l'école est ouverte.